dis que je vais les éteindre, c'est clair que je vais les éteindre. Je pense aussi que l'épisode 4, il va éteindre tous les autres épisodes. Yeah, salut, moi c'est Stunnerman de GGC, je suis congolais et j'ai grandi au Sénégal, donc voilà, c'est un peu ça. Stunnerman, c'est... comment t'expliquer, c'est stunner, tu vois, stoner en anglais, tu vois, tu le mets, on va dire, tu le contractes, ça fait stunner, tu vois, ça fait quelqu'un qui aime beaucoup la défonce, en fait, tu vois, genre, parce que moi, je suis quelqu'un, je suis tout le temps en train de me défoncer, mec, tu vois, le délire, quoi. D'accord. Ça, c'est une question provocatrice, ça. Ben en fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, tu vois, il faut déjà avoir confiance en soi en tant que rappeur. Ça fait partie déjà parce qu'au fond, on fait tous de l'ego trip, tu vois. Et quand tu parles d'ego trip, tu parles d'abord de toi, tu dis ce que tu sais faire. Et d'après chaque être humain, en fait, on fait toujours mieux que les autres, quoi, en gros, tu vois. Donc, quand je dis que je vais les éteindre, c'est clair que je vais les éteindre. Tu vois, après, bon, le couplet, il est bon. Les potos avec qui on a rappé, ils sont super bons. J'ai grave kiffé. Je pense aussi que l'épisode 4, il va éteindre tous les autres épisodes, en fait. C'est tout simplement ça. J'ai commencé la musique en écoutant La Fouine. Donc, on faisait du trap, on faisait du rap et tout. Après, on s'adapte, tu vois. À un moment, je me suis dit, ben, je vais commencer à chanter et tout. J'ai fait un peu de reggae. Mais au fond, c'est ce que j'aime, c'est le rap, c'est la drill, c'est du trap, tu vois, on peut chanter un peu, fredonner, des trucs comme ça, mais voilà quoi, au fond c'est du rap. Et pour les artistes que j'écoute, c'est à l'image de la musique que je fais, quoi. En gros, tu vas écouter du Leto, Booba, Niska, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Reggae dancehall, fume de la bédo dans le bendoné que tu nous connais. Bébé, fais que tu bouges, vois, tu couches. Aïe, j'ai oublié. Je remercie tous les potos qui sont venus pour le Cypher. C'était super cool. Franchement, ambiance de malade. Cypher de malade, comme d'habitude. Ces rappeurs sont tous des singes. Alors je les baisse comme des bonobos. Dans le bain, il n'y a pas de...